Salut tout le monde, c'est Neval, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour la première série de jeux, tout simplement. Ce sera sur Resident Evil 2 parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup, que je devais faire en let's play et que j'ai pas fait, qui est relativement assez court quand on le connaît bien, hein. Il me faut à peu près un peu moins de 3 heures hein, moi, pour finir le scénario A, je me suis dit c'est un bon départ. Dites-moi donc si le concept vous plaît, j'ai laissé les sous-titres, vous me dites si vous préférez que ça n'y soit pas pour que ce soit plus immersif, plus réaliste comme série. Je pense toujours aux personnes peut-être malentendantes, hein, on sait jamais, donc c'est pour ça que je mets toujours les sous-titres, mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et surtout faites-moi les retours, dites-moi ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, s'il y a des choses que vous n'aimez pas, et dites-moi ce que vous aimez, évidemment, si vous avez aimé. Donc sur ce, je vous laisse au premier épisode, plein de bisous, portez-vous bien, et j'espère que vous allez kiffer, ciao. Bon retour à Raccoon, Léon. Soir dernier, alors que je rentrais du bar, et cette femme a commencé à venir vers moi. La façon dont elle titubait, je me suis dit qu'elle était bourrée. Ok, dis la vérité, t'avais bu combien de verres dans l'histoire? Mec, je t'assure, j'étais quasiment sobre. Mais bien sûr. Écoute-moi, d'accord? Quand elle s'est approchée, je l'ai bien regardée. T'aurais dû voir ses yeux, son nez, tout son visage. On aurait dit qu'il pourrissait. On aurait dit un cadavre. Un cadavre ambulant, mec. J'ai la même à la maison. J'ai jamais rien vu de pareil. J'arrive plus à dormir depuis cette nuit. Allez, détends-toi, tout va bien. Bon, écoute, tu dois rester fort, ok? Laisse pas la peur t'envahir, d'accord? Ouais, ça je te le fais pas dire. Si on reste paralysé devant ces choses, elles en profitent pour mordre. Je vais attaquer quelqu'un. C'est pas vrai. Ça devenait intéressant. Oh merde! Personne. C'est bizarre. Hein? Eh oh! Y'a quelqu'un?
quelque chose tourne par là. Ça va ? Bougez pas, je vais revenir vous aider. Arrête de bouger ! Est-ce que tout va bien ? Reculez, monsieur, je m'en occupe ! Ah ah Bouge pas ! Ou je tire ! Ça va ? Ouais, je crois. Merci. Remercie-moi plus tard, si on s'en sort. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe ici ? J'en sais rien. Espérons qu'ils en sachent plus au commissariat. Quoi ? Des flics ? Ouais. Léon Kennedy. Et toi ? Claire. Claire Redfield. T'es du coin ? Non. Je cherche mon frère. Lui aussi est flic. Bah, bonne chance qu'on se soit rencontrés. J'ai aucune idée de ce qui nous attend. Avis à tous les citoyens. Suite aux incidents qui touchent la ville, nous vous invitons à venir vous réfugier dans le commissariat de police de Raccoon City. Des vivres et du matériel médical seront distribués à tous ceux qui en ont besoin. Oh mon Dieu, c'est surréaliste. Le commissariat n'est plus très loin. Ils auront des infos. D'accord, mais imagine qu'on soit les seuls, qu'il n'y ait pas de survivants. Non, il y a des survivants. C'est une grande ville. C'est obligé. Je crois qu'on va devoir marcher.
Courir, plutôt. Tu marques un point. Oh, la vache! Ah! Léo, il faut que tu recules! Oh non! Oh merde. Claire, sors d'ici! Allez, vite! Je peux pas! Apocalypse. Merde. C'est tout le monde. Ils sont tous transformés. Ah, le voilà. Le commissariat. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Il y a forcément quelqu'un ici. C'est pas bon, ça. David ! Marvin ! Vous m'entendez ? On a un moyen de sortir ! Tout est là-dedans ! Faut que j'aille l'aider.
sang partout! En sécurité. Pour l'instant. Merci. Marvin Brana. Léon Kennedy. Il y avait un autre officier, j'ai pas pu. Hé. Je suis sûr que t'as fait ce que t'as pu, Léon. On sait ce qui a causé tout ça? Aucune idée. Mais franchement, tout ce que tu dois savoir, c'est que cet endroit te bouffera tout cru si tu fais pas attention. Je devais commencer la semaine dernière, mais on m'a dit de ne pas venir. J'aurais aimé être là plus tôt. T'es là maintenant, c'est tout ce qui compte. Lieutenant, je suis prêt. J'espère que tu trouveras un moyen de sortir d'ici. L'officier que t'as vu tout à l'heure, Elliot. Il pensait que ce passage secret ferait l'affaire. Tant mieux. On pourra vous amener à l'hôpital. Non, non, il y a plus important que moi. Lieutenant, je peux pas vous laisser là. Ceci est un ordre, jeune homme. Tu dois d'abord sauver ta peau. J'aimerais venir avec toi, mais ça te ralentirait. Tiens. Allez, prends-le. Si je fais ça... C'est bon, arrête. Fais pas la même erreur que moi. Si tu croises d'autres de ces choses, uniformes ou pas, tu dois pas hésiter. Tu les tues, ou tu cours. Compris ? Compris. C'était quoi ça? Léon, c'est Marvin. Il faut que tu reviennes immédiatement. Tout va bien, Marvin? Je veux te montrer quelque chose. C'est important. Compris. J'arrive tout de suite. Putain de merde.
Te voilà. Approche. Regarde. C'est elle. Elle s'en est sortie. Oh, tu la connais ? Ouais, elle s'appelle Claire. On est arrivés ici ensemble. Tu peux accéder à cette cour via l'étage supérieur, côté est. Compris. Merci, lieutenant. Claire, bouge pas, j'arrive tout de suite. D'accord. Claire, je suis content de te voir. Comment tu vas? Cet hélicoptère est sorti de nulle part. J'ai rien de cassé. Évidemment, aucune de ces poches contient la clé, je me trompe? Malheureusement, non. Toi, comment tu t'en sors? On va dire que je survis. Tant mieux. Des nouvelles de ton frère ? Non, pas encore. Claire, garde espoir. On finira par le retrouver. Merde. Tu sais ce que ça veut dire ? Ouais. C'est l'heure du dîner. Claire, reste pas ici. T'en fais pas pour moi, Léon. Fais attention à toi. Claire, va-t'en de là. Allez. Hé, on va s'en sortir, tous les deux. Marvin, ça chauffe par ici. Ça grouille de zombies. Marvin, vous me recevez? Marvin? Merde. Ça mène bien en bas. C'est bon. On peut sortir. Lieutenant Brana ! Marvin !
On fiche le camp. Hey, Marvin. On doit vous emmener à l'hôpital sans tarder. Non, non, je... Sauve ta peau. Allez, je vais vous aider. Attends! On peut encore sortir d'ici tous les deux. Mais donnez... C'est trop tard, Léon. J'ai essayé, tu sais. Mais j'ai pas pu l'arrêter. On peut pas laisser ça se propager. Je compte sur toi. Va-t'en. Très bien. Comptez sur moi, Marvin.